Là, on vient faire le projet de la Batucada. Un projet qu'on organise avec le collège. Okay. Et alors, vous êtes content d'être là? Franchement, oui. Monsieur, franchement, ouais. Oui. On Attends. Va faire de la musique avec des tambours, avec des cloches, avec des beaucoup de choses. Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est un surdo? Une sorte de tam-tam avec les mayoches. Moi, je bats le temps. Tu bats le temps? Donc t'as un rôle très important alors. Vous êtes combien à battre le temps? Une 8, un truc comme ça. Normalement je vais faire le sordo. D'accord. Qu'est-ce que c'est le sordo en fait? C'est comme un tambour avec des maillotes. Okay. Des baguettes avec une grosse boule au bout. Vous êtes au point les gars? Oh oui. Ça démarre, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, on y va, attention, trois claps. Je jouais sur dos, mais maintenant je préfère jouer cloche, les cloches. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à maîtriser un peu les sur dos. Ah, moi je joue les tambours, les gros trucs là-bas. Et tu connaissais avant toi la Batucada? T'en avais déjà entendu? Non, jamais. Qu'en 6ème j'ai appris ça. Moi je suis contente parce que ça représente le Brésil et moi je suis brésilienne. Et du coup, ça représente un peu mon origine. Du coup, voilà. Tous les ans, on faisait ça. Depuis la 5ème, on faisait de la Batucada. Mais au collège, mais pas à Garibaldi. D'accord. Et là, cette année, on a fait à Garibaldi. Moi, je joue du violoncelle. Du violoncelle. Du piano. Du piano. Moi, je joue du saxophone. D'accord, donc vous êtes des musiciennes. Mais ici, aujourd'hui, vous allez jouer de quoi? De la Batucada. Enfin, il y a plein d'instruments. Ouais, tu joues de quoi, toi? On va voir, en fait, on improvise un peu. Enfin, en fait, on improvise, mais surtout, je fais surtout les cloches parce que tout le monde prend les gros sourdins. Plutôt les percus ou plutôt les cloches? Ah, percus, quand même. Percus, ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand tu joues de la percus? J'ai l'impression de partir autre part. Ouais. Quand je joue, j'ai l'impression de pas être ici. Je suis avec l'instrument, ça fait qu'un corps. Alors, on a commencé à faire des ateliers à Port-Olympia, en fait, régulièrement sur l'année. Et après, il y a d'autres collèges qui ont commencé à se greffer au projet. On a commencé à faire des spectacles sur Port-Olympia et Collège Fabre en fin d'année. Et après, du coup, est né le projet de faire ça avec 4 collèges. Voilà, de faire un gros spectacle avec 100-150 collégiens. Avec autant de jeunes, ça m'est arrivé. J'ai un autre projet où on joue avec des jeunes pour le carnaval, mais on n'est pas aussi nombreux, on est une quarantaine. Max. Pangaya, c'est une association de percussion qui a 20 ans, qui a 3 groupes, un groupe pro, un groupe semi-pro, une grosse formation. On va être, je pense, là 50 à la fête de la musique. On fait des animations, des spectacles, des ateliers dans les collèges, les instituts spécialisés, et aussi dans les écoles. On a commencé à la rentrée de l'année dernière. Septembre 2023, c'est ça? Sur toute l'année. Voilà, ça fait à peu près une année scolaire, puisqu'on... Le concert a lieu le 17 mai à Place Garibaldi, 10h. En fait, avec Soudan, on a des maillotes pour taper dessus, pour comme ça on entend. Et il y a aussi doucement. Les répliques, on a des baguettes pour taper dessus. Les tambourines, c'est avec les mains. Il faut arrêter de dire que les secpas, c'est nul. Parce qu'on est très intelligents,
Et on sait qu'on va avoir des bons métiers. J'aime bien tout, surtout les grands instruments. La musique, j'aime trop en fait. J'aime de la musique. C'est 2 années de travail avec le professeur de musique. Donc ben voilà, ils sont à fond. On a eu la chance d'assister à une répétition pour l'IMPA qui s'est très très bien passée. Ils vont être au top, nos gamins. On a hâte. Parce que c'est un long projet d'une longue année et on a envie de les voir s'émerveiller autour de cette musique. Il y a déjà eu beaucoup de retombées tout au cours de l'année parce que c'est un projet qui est dynamique, ça a créé beaucoup d'échanges et de connivence entre eux et nous en tant que professeurs, on a vu tous les points positifs. Y compris en classe, j'imagine ? Ah, tout à fait, en classe, au niveau de leur projet, de leurs relations sociales entre eux, relations amicales, etc. Vous êtes prêts ? Oui ! Vous êtes prêts ? Oui ! Vous êtes prêts ? Oui ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Samba d'Agench, enchaîné avec le Frévot, et on finit par Timbalada. Et peut-être à la fin, on refera les Paradignas pour finir. C'est pour s'entraîner. On y va ? On fait tous pareil, 1, doublé et 7. Prêt ? Ça leur apporte beaucoup de plaisir. Ils s'amusent d'un point de vue rythmique, ça leur apporte énormément. Ça leur apporte une ouverture sur une autre culture qu'ils ne connaissent pas forcément. Là, en l'occurrence, c'est des élèves qui sont déjà musiciens, donc ont l'habitude du conservatoire, donc ils ne connaissaient pas du tout la batucada. Je pense qu'ils ne réalisent pas trop qu'il va y avoir autant de monde, que ça va être sur la place et tout, mais je crois qu'ils sont contents de l'esprit festif. Ils devinent qu'il va y avoir un esprit festif.
sommes très contents, tout s'est passé sans encombre. La municipalité a tout mis en place pour que nous puissions nous rejoindre sur la place. Et surtout, surtout, nous avons eu la météo avec nous, ce qui n'était pas gagné ces derniers jours. Et tous les élèves ont vraiment mis du leur, ils ont été très sérieux. Et donc on est très contents d'eux, on est très fiers d'eux. Et je salue aussi particulièrement toutes les équipes éducatives des différents collèges qui ont participé, car même s'ils n'étaient pas profs de musique, ils se sont beaucoup impliqués. Et ça nous a aidés, de toute façon ça n'aurait pas été possible sans eux, donc voilà. Et bien sûr, l'association Pangaea avec Christo, que je remercie largement. Ah ben moi je suis très fière, je suis fière de mes élèves, je suis fière qu'ils aient réussi à se concentrer, qu'ils aient tenu le temps pendant toute l'année. Enfin, c'est que du positif là aujourd'hui.